ました。Let's go! Let's 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 go! Let's
Du résultat final face à une équipe de Pontons qui n'a pas démérité, qui est un adversaire rude, avec pas mal de joueurs d'expérience, notamment derrière au milieu du terrain. Donc une première mi-temps qui s'est traduite par un score vierge au bout des 45 minutes. Ça s'explique un peu peut-être par une part de suffisance de notre part, la jeunesse de l'équipe. Et je tiens quand même à rappeler aussi un adversaire qui était en place et qui joue au ballon. Et une deuxième mi-temps où je pense que l'équipe de Saint-Pierre-du-Mont a su reprendre les fondamentaux et appliquer les consignes données au vestiaire. Donc avec un jeu simple porté sur le renversement et nos qualités donc de vitesse profondeur, ce qui a fini par payer, user l'adversaire dans un premier temps et fini par payer en fin de deuxième mi-temps avec ses deux buts marqués par Sega. Même si nous avons eu chaud, notamment sur les longs ballons joués par notre adversaire, par des sauts de défense qui étaient jeunes, pour le souligner, hein, ce sont des jeunes 18 qui sont montés cette année, oui, 18. Mais je suis très très satisfait de la prestation de l'ensemble de l'équipe et avec une mention spéciale pour les quatre défenseurs, très jeunes joueurs et qui montrent vraiment le gros potentiel qu'ils ont. Et nous attaquons aujourd'hui. Donc très très satisfait, une très bonne entame de ce pool de brassage de Coupe des Réserves. On a gagné le droit à un joker, mais je pense qu'on n'aura pas besoin avec nos déplacements à venir à Garin et à Roquefort. Donc bravo le Sporting et un très bon début de saison qu'on doit confirmer dès le week-end prochain à Morin. Merci à vous.